La mort de l'archidémon a mis un terme à l'enclin. Mais l'engeance n'a pas disparu pour autant. Le gros de leur horde s'est déversé au nord, vers les terres côtières. Pour s'y établir en plusieurs tribus hostiles. La contrée sombra dans le chaos, tandis que les engeances surgissaient de leurs repères pour semer partout la ruine. Vous, le nouveau commandeur garde de Ferelden, et c'est à vous qu'il incombe de refonder l'ordre et d'écarter cette menace. Vous avez rallié Amarantine et les gardes des ombres établis à Fort Bastel, jadis fief du Jarl Rendon-Haut, et désormais bastion proclamé. Rendon-Haut, c'est celui qui trahit ta famille quand tu es un noble. L'absence d'un détachement d'escorte officiel augure de sinistres événements. Et qu'on tue après. Pourquoi personne n'est-il venu à notre rencontre ? Ah, mais j'ai pas d'armes ! Ce n'est pas normal. Tu m'étonnes ? Vite, commandeur ! C'est pour ça que je pouvais pas attaquer. Mais oui, mais si, mais j'en ai une. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire de beau? Mais regarde, j'ai tellement de choses là. Pourquoi j'ai rien sur moi? Femme jumelle? Mais non. Voilà. Et... autres engences. Ah ben voilà. Avec plaisir. Ben voilà, ça va mieux. C'est vous l'héroïne de Ferelden. Le créateur soit loué. Je ne sais pas. Elles ont surgi de nulle part. Je n'ai entendu que des hurlements d'agonie. J'ai filé sans me retourner et je suis tombé sur ces... Vous devez les aider. Faites quelque chose, par pitié. J'ai cru apercevoir un mage dans ma foulée, mais je ne sais pas s'il était des leurs. Je vais chercher de l'aide. Je croiserai bien une patrouille en chemin. Le temps presse, commandeur. L'enclin est terminé, et pourtant elles sont incroyablement organisées. Ça défie l'entendement. Autre que l'archidémon, vous voulez dire ? Terrifiante perspective. Au fort Bastel, autrefois il appartenait au Jarl Howe. Ses héritiers ont été déchus de leur terre. Au vu des crimes commis, c'est bien là le cas de leur souci. Un peu d'ignoble, hein, quand même. Ben oui, elle est muette, Mimati. Varel, le sénéchal. Il administre fort Bastel pour le compte de l'ordre. Oh, pardonnez-moi, je pensais que les présentations officielles se tiendraient au fort. Je m'appelle Maëri. J'étais chevalier au service du roi jusqu'à mon enrôlement, voilà un mois. Je n'ai pas encore entrepris l'union. Le sénéchal m'a dépêché à votre rencontre. Je ne m'attendais pas à ça. À vos ordres, rendons à ces créatures la monnaie de leurs pièces. Oui, alors attends, d'abord. Une petite sauvegarde, voilà. Ensuite, gain de niveau. Hop. Alors, c'est pour qui? C'est pas pour moi, c'est pour... pour toi. Faut tant que je me remette dedans, hein, parce que... Templier, gardien, guerrier spirituel. Ça peut être utile. Et éventuellement,
ça, voilà. Piu-piu-piu, en combat, c'est bon. Vitalité. Lucidité. Voilà. Ça c'est bon. Là. Bah si tu permets. Hein. Ami en drink de Wade. Elle est moins bonne. On s'en fout. Cercle des secrets interdits. Magie du sang, mais je l'ai pas ça. Oh, une carte que j'ai pas donnée à l'autre. Vendant leur monnaie de leur pièce. Le langage châtié, ah bah oui. Hein. Attention, attention. On re-sauvegarde. Juste pour le principe. Ah tiens, attends, si, il faut que j'aille dans les tactiques. Ça fait tellement longtemps. Je sais plus où c'est. Tiens, choisir la tactique. Présence fortifiante, bouclier du gardien. Alors... Voilà, comme ça elle mettra son bouclier directement. Ou pas. Voilà. Allié, si, peut-être. Santé supérieure ou égale à 90. Bah écoute, vas-y. On va faire ça. Donc ça, techniquement, elle devrait me donner ses pouvoirs dès qu'elle peut. Alors. Oui. Ma foi. Il y a encore du monde là. Oui. Mais t'en vas pas comme ça, reviens. Reviens petit con. Avec plaisir. Oh, ce tranchage de tête. Le truc qui fait plaisir. On va revoir Ogren, oui. Ogren, oui. Je crois qu'on va même essayer de le rabibocher avec sa copine. Avec son ex. Rabibocher. Ça aussi, c'est un terme. Personne n'emploie. Il n'y a bien que moi. Un terme de vieux. Visiblement, nous allons devoir affronter tout l'enclos à nous seuls. Ma foi, très bien.
Alors techniquement, il y a moyen de sauver tout le monde, mais c'est ultra compliqué. Faut être rapide. Mais faudrait que l'autre prenne l'aggro en fait. Ça se complique. Oui, alors. Occupe-toi d'eux, moi je vais là-bas. Je vais là-bas, j'ai un type ici déjà. Je me casse, non, je me casse pas parce qu'il va mourir. Avec plaisir. Très bien. L'autre débile qui est en train de mourir. L'autre débile est en train de mourir. Faut que je change son truc de tactique pour la santé. Provocation, on s'en fout. Non, rempart de bouclier, j'aime pas. Donc toi. Voilà. Personnage. Santé. Inférieur à 50. Tu vas prendre une potion. Non. Voilà. Grande porte. Je m'en charge. Vos désirs sont encore prêts. Soigne-toi, espèce de crétine. Ah, j'aime pas les hurleurs. Debout, 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 debout. On en charge. Allez, vite, 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 parce que là, il y en a un qui est en train de mourir. À mon avis, il est mort, d'ailleurs. Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Allez, hop. Faut que je suis con, mais j'ai plein d'autres options. Capacité maintenue, non. Dans les talents, j'ai plein de choses. Avec plaisir. Ça s'est fait. La dernière heure arrivée. Merci. J'ai eu tout le monde là. Est-ce que j'ai sauvé tout le monde? Oui. Ok, donc eux sont là, très bien. Parce que c'est pas forcément si évident que ça de réussir à les avoir là. J'ai le temps d'en faire un petit peu le tour, de faire ma vautour. Désuet, ça se dit encore. Écoute, je continue à le dire. À l'aide, quelqu'un. Ah, bah tiens. Avec plaisir. Voilà. Et la barre de pouvoir, là, le truc rapide sur PC me manque, hein, quand même. Quand tu peux avoir tout sous la main et pas être obligé de faire pause, aller chercher le truc, rejouer, machin. Par contre, ça c'est ce qui manque. Ah non! Dans le 2, t'as une barre aussi comme ça en bas. Mais je sais pas si t'as accès quand même à tous tes pouvoirs. Par contre, les potions de santé et de mana et compagnie, c'est ultra limité.
Ça va te faire un choc. Ah. Allez, on court. Non, cours. Va pas là-bas. Ah. Mais le débile, elle va se soigner là. À vos ordres. Mince, j'ai raté celui que je voulais. Je voulais sauver celui-là. C'est lui qu'il fallait sauver. Oui, ben. Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? Oh, me dis pas qu'il est mort. J'ai pas réussi à le sauver, putain. Ma frère. Tout le monde est mort, c'est génial. T'as vu un mode qui rajoute des raccourcis, bah tant mieux. Je sais pas si je peux me rendre invisible en tant que voleuse. Ah mais si, je suis con. Je peux faire ça. Par contre, il faudrait que l'autre puisse rester en vie plus longtemps. C'est abruti. Vengeance, elles sont partout. Ah, je peux pas. Laisse tomber. Va le sauver l'autre. Allez, vite, tous par là. Tous sur lui. Les désirs sont des armes. Soigne-toi! Oh, la boutique! Allez, cours maintenant! Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je m'en charge. Il est mort ou pas? Oh non, il est en vie! Il est en vie! Petite sauvegarde. Faut que j'y pense à le faire régulièrement parce que sinon, je te raconte pas la mouise. Ils sont tous en train d'agoniser là. Surtout dis pas merci toi. Hop, ça. Ici c'est bon. Ah, ces engins s'en redemandent. Attends, on va sauver lui d'abord. Les désirs sont des ordres. Allez, il y en a encore là-bas. Coucou les garçons. Ah, je peux l'utiliser. Je m'en charge.
reviens dès que possible. J'ai tellement d'effets sur moi. Tu sais pas si je suis empoisonnée ou... Oui, tout le week-end, c'est sûr. Hop. Oh, voilà qui tombe à pic. Merci. C'est bon, là? J'ai sauvé tout le monde? Je pense que oui. J'ai tout récupéré, je sais pas, mais... Et le chien qui ronfle. C'est fait. Non, c'est pas ça, c'est ça. Nécessite un mage. Bon, je suis pas mage. C'est dommage. Ah, je suis pas mage, c'est dommage. Allez, l'humour du week-end. Wouh! Un truc dont j'ai pas besoin, mais bon. Choubidou. C'est à peine croyable. Le fort est submergé. C'est incompréhensible. Les gardes auraient dû sentir leur présence. Une dizaine, tout au plus. Ils n'étaient pas seuls. Plusieurs soldats sont arrivés avec eux. Les engins ont mené l'assaut avec une telle célérité. Je ne les croyais pas capables d'une prouesse pareille. Ça manquait, ça, tiens. À vos ordres, commandeur. Comptez sur moi. Formidable. Ma foi, très bien. Pour l'ordre ! Au combat ! Tu vas te soigner, débile, ou pas? Ça a pas l'air de marcher, là, son truc. Sa tactique. Elle est tactique. Oui, mais ronfle plus fort, le chien. Si tu le dis, si je te dérange. Alors, comment on regarde la carte, déjà? Là. Ici, il y a des petits trucs. Ici, il y a du monde. On va quand même aller voir... Alors je suis là, ici il y a du monde, ici il y a du monde. Ah, bonjour Anders. Il est super cool dans ce jeu là. Je n'ai rien fait. C'est pas moi. Le feu est pas sorti de mes doigts. Ne trompez pas, leur mort ne m'émeut pas plus que ça. Conrad ici présent a agonisé de la manière la plus grotesque. Vous pouvez m'appeler Anders, noble dame,
mage et apostat notoire, à mon grand regret. Un apostat ? Ici, à Fort Bastel ? Vous n'étiez pas là à notre arrivée. Une telle beauté n'aurait pas manqué d'attirer mon regard. Ils ont tenu à s'offrir quelques instants de repos alors que nous regagnons la tour. À présent, ils sont morts. Quelle tragédie. C'est ce qu'ils prétendaient, oui. Et d'ailleurs, je n'avais aucun moyen de vérifier leur dire. Les Templiers m'ont capturé et me ramené à la tour. Ensuite, les engins sont attaqués. N'est-ce pas là un signe du destin ? N'est-ce pas ? Les voies du Créateur sont impénétrables. Je vous aiderai. Nous deviserons ensuite de détails plus accessoires lorsque cette vermine fera son compte. C'est d'accord ? Il est là, il fait son précieux avec ses petites boucles d'oreilles et tout. Il y a des choses par là ? Je m'en charge. Vos désirs sont dedans. C'est bon, je t'ai défendu. Vite ! Il faut que je sorte d'ici ! Là, on sort du fort, donc on va aller voir de l'autre côté. Faudra que j'y pense. Au moment du montage, je vous ai pas dit. Parce que vu le temps qu'il va falloir pour en arriver là, j'aurais sans doute oublié. Hélas. Ah bah non, on peut pas. On me tombe. Très bien, très bien, très bien. Et là, j'imagine que ça ne s'ouvre pas non plus. Non. Y'a rien là ? Non, j'ai tout ramassé. Tiens, Anders. Gagne niveau, t'as quoi toi ? 2. Alors, est-ce qu'on te met en mage du sang ? Non. Mage de guerre ou archiviste ? Les deux. Hop. Et hop. Ensuite. C'est quoi ça ? Artisan runique. Ensuite, tu sais faire quoi ? Bouclier de l'immatériel. Bah vas-y, ça peut être sympa ça, non ? Aura purificatrice. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, lui ? T'as tout ce qu'il faut. T'as pas la magie du sang, donc c'est pas utile. Ah non, mais j'aime pas ça. J'aime... C'est pas ce que je voulais. Tiens, ça c'est mieux quand même. Le style avant tout. Non, c'est mieux ce que tu portes.
Choix tactique, qu'est-ce que tu sais faire? Du soin. Non, alors. Voilà. Mais ouais, on va croiser les doigts pour qu'ils pensent à prendre leur potion quand ils en ont besoin, parce que ça, quand même. Ok. Le mode nude. Non. Ça vaut pas les pecs de Kaidan. C'est vrai. Gonflé aux amplibiotiques. Et les amplibiotiques, c'est pas automatique. Ces engeances en redemandent, je vois. Je peux pas l'utiliser, ça? Dis tes prières! Vous êtes bien naïf, méchant, quoi. Méchant, vous voyez là? C'est un peu. Avec plaisir. Vos désirs sont des ordres. Je dois reprendre des forces. La balise, à quoi elle me sert? Vos désirs sont des ordres. Oh ben c'est bien le moment. Ça aurait été bien utile plus tard, plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Ma foi, très bien. Je m'en charge. Ça, c'est ce qui mène... voilà, ici. On y était tout à l'heure. Petite sauvegarde. Je sais pas. Je sais pas s'ils sont buffés par rapport au jeu de base, mais... Ah, je crois qu'on va retrouver aux graines. Oh, qu'est-ce qu'on a peur? N'approchez pas! Ah non, c'est ça. Lui, c'est un fou qui fait exploser des trucs. Il en faut plus que ça pour nous tuer, vermine! Approchez donc! Ah, ces engeances en redemandent, je vois. Oui, alors tu vas venir, peut-être? Allez, rentre. Je m'en charge. Formidable. C'est quoi, j'ai des points à donner? Je l'ai tué! Oui, bon, on a vu. Calme-toi. Oh.
Toujours pas ça. Je pense que ça... Ça va être... Ouh. Alors, ombre. Éclaireur Légion. Ah, ça peut être sympa, ça aussi. Pose des pièges, les larcins, les poisons. C'est jouable avant de finir. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il donne le choix de continuer avec ton personnage ou d'en choisir un autre. Mais l'autre, on l'a pas vu qui partait je sais pas où là. Bon. Courez à l'abri, mais pas dans ce sens-là. Sortez vos armes. Engeance droit devant. Aïe. Ça pique. Vos désirs sont les ordres. À la bataille. Mais toi, mais soigne-toi. Mais c'est quoi ce délire? Je peux utiliser. Je m'en charge. Je prendrai sa tête et trophée. Bien et bien, mes frères. Prends ta tête en trophée. Ben, ça tombe bien, elle vient de décapiter. Bon là, les abrutis. Je le crois pas. Est-ce que t'as des malus toi? On sait pas trop. Vu que t'es morte, normalement tu devrais en avoir, donc... Non, t'as pas besoin de ça. Toi non plus. Très bien. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il se soigne pas? Quand il faudrait. C'est ça que j'ai mal fait. Donc toi tu te soignes normalement. Tu utilises soin, mais c'est un truc, tu peux pas l'utiliser partout, donc voilà. Je pense que c'est ça qui allait pas. J'avais pas vu des trucs qui brillaient là en bas. Si. Il est directement à un niveau avancé, oui, il a, enfin, il a énormément de points et tu peux les distribuer. Alors, ici c'est quoi? Ça a l'air d'être une petite cave ou je sais pas quoi.
Ensuite, ici, je sais pas si c'est pas une crypte ou un truc comme ça. On peut faire le tour. Encore des engences. Ah non, j'en ai pas d'autres, donc... Allez vous mettre à l'abri. Ah bah voilà Ogren. J'aime bien parce que c'est la musique de la taverne quand même hein, pour Ogren. C'est pas rien. Visiblement nous allons devoir affronter tout en plein sol. Le soigne là, je sais pas où il est. Non mais c'est lui qu'il faut taper, débile. Avec plaisir. Pourquoi pas. Victoire. J'ai vite trop peur que de main. Ouais. Vous voilà. Quand les engeances nous sont tombées dessus, je me suis dit, attendez un peu que le commandeur réplique et vous cracherez vos dents par le troufion. J'ai suivi les cris et comme de juste, vous voilà. Cette classe. Si c'est pas beau, ça. Vous en croyez pas vos yeux, hein? Ça m'arrive aussi, après la cinquième boucle. J'ai répliqué ici pour devenir un authentique garde des ombres, histoire de voir. Yeah. Il était là à mon arrivée. J'ai du mal à croire qu'on ait toléré sa présence. Eh, hey, on se connaît, non? Un joli petit lot comme ça, ça s'oublie pas. Une recrue de choix pour l'ordre, n'en pas douter. Je sais, c'est trop beau pour être vrai, hein? C'est qui le mage? La friandise du moment? Je devrais vous laisser seul. Oh, un nain qui empeste le mauvais alcool. Comme c'est original. Ah, un mage bouffon. Je croyais que ça crevait jeune, ce type-là. J'ai du mal à le croire. Et moi donc? Allez, mon pied a rendez-vous avec des culs d'engeance. La moindre des choses, c'est d'être ponctuel. Non mais comment on peut ne pas aimer ce jeu, quoi, franchement. Rien que les dialogues. Et voilà. Alors, Ogren, t'as des points de talent. Très bien. Alors, t'es quoi? Berserker. Templier, non. Gardien, guerrier spirituel, on va te mettre en champion. Psychomancien. Bah non, c'est un nain, faut pas être psychomancien. On va mettre champion.
Picomancien. Hop, vas-y. Mais lui, c'est quoi? C'est les armes à deux mains. Voilà. Tu vas jouer un voleur pour ouvrir les coffres? Ah ouais, hein? Ah, le coffre du début, hein, il... Tu dis, merde, pourquoi j'ai pas fait un voleur? Rien que pour pouvoir l'ouvrir, en plus, il y a pas forcément des trucs intéressants dedans. Alors, on va pas aller par là tout de suite. Je vois qu'il y a une espèce de réserve là. On peut y aller ou pas? Mais ça fait le tour. Mais oui. Et nous, on est arrivé de par là. Très bien. Sauvegarde. Vous êtes qu'une team de guerriers. Ah bah oui, si t'as Fenris, effectivement, et bah non. Une team de guerriers, non, parce que tu dois avoir Varric, qui est un voleur. Et puis t'as... T'as la frangine, Bethany. Oh, Maïri. Roland, commandeur, Roland était un chevalier. Il servait à Denerim, tout comme moi. Nous devons l'aider. Aucune magie ne pourra le sauver. Peut-être une lampée d'alcool pour assommer la douleur? J'aime votre façon de penser. Cessez de plaisanter. Ce n'est pas drôle. Le commandeur... Les engeances nous sont tombées dessus à l'improviste, commandeur. Le sénéchal... a ordonné une contre-attaque, mais elles ont surgi de nulle part et... L'une d'elles, celle qui parle, sa magie est redoutable. Une engeance qui parle? Manquait plus que ça. Mon sang est contaminé. C'est une torture. Ah mais oui, mais non, mais t'as aussi la rousse, là. Comment c'est déjà son nom? Aveline. C'est vrai, qui est un guerrier. Ce fut un honneur de vous rencontrer, commandeur. Oh, oh, j'aurais voulu combattre à vos côtés rien qu'une fois. Oh. Ta mort ne restera pas impunie, je le jure. Visiblement, nous allons devoir affronter tout l'Empire à nous seuls. Mais reviens là, toi, reviens là. Je sais pas si tu as mis la situation. Mais... Avec plaisir. Voilà pourquoi. Ma foi. Hop, un mort. Non, non, je voudrais que tu récupères ça. Voilà. Il vaut mieux s'en faire une pote, Tamlin, oui.
Visiblement, nous allons devoir affronter tout l'enclin à nous seuls. Ah, j'ai des désirs sont déjà. Comme si c'était ici. Ah, mais non, pourquoi j'ai enlevé ce truc-là? Ah, je suis con. Avec plaisir. Je m'en charge. C'est terminé. Je crois que ça mène au même endroit. Oui, c'est ça. Surtout qu'Aveline, elle te juge sur tout ce que tu fais, alors t'as intérêt à faire gaffe. Hein. Puis un truc que j'ai pas fait non plus, aux graines. Voilà. Non. Mais tu peux la maquer avec quelqu'un d'autre. Tout s'est achevé comme il l'avait prévu. Traitez celui-ci avec égard. Évitons les effusions de sang inutiles. Inutiles ? Ceux de votre espèce n'ont jamais tué qu'inutilement. Vous pensez tout connaître de notre espèce, humain. C'est compréhensible. Mais tout cela changera bientôt. D'autres viendront après moi, créature. Vous serez vaincus. Nous y voilà. Vos paroles étaient donc fondées, et bien plus que vous ne l'imaginez. Cette chose parle ! Qu'on lui fasse bouffer sa langue! Commandeur! Capturez la garde des ombres. Quant aux autres, tuez-les! Des engeances, elles sont partout! Le flétri s'appelle. Ah, je m'en charge. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te pisse dessus. Je te pisse dessus, mais enfin, on gagne. Formidable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est excitant. Il regagne de la vie, je ne sais pas comment. Ma foi, très bien. Brut, pourquoi insiste-t-il? Donc il risque tout renversement, c'est bon de savoir. Ah, ça aussi. Vos désirs sont des ordres. Et maintenant, je peux pas le faire? Avec plaisir. En combat.
Je m'en charge. Ma foi, très bien. Je ne peux pas continuer à faire ça dans son corps. Ben voilà. Commandeur, je vous dois la vie. Une urgence qui a son niveau bac. Eh ouais, c'est impressionnant. Les soldats sur la route. Nous avons de la compagnie, semble-t-il. Gageons qu'ils seront plus aimables que nos derniers hôtes. Et là, on aurait pu voir arriver Alistair au lieu de... d'Anora. S'il avait été décidé de prendre son rôle de roi. Hélas, nous sommes arrivés trop tard pour vous prêter main forte. Mes excuses. Reine Anora, je tenais à présenter la bienvenue formelle aux gardes des ombres. La situation est pour le moins inattendue. Que s'est-il passé? Leurs dernières engences ont tourné les talons, Majesté. Apparemment, non, le couteau les gardes des ombres arrivés d'Orlaïs sont morts ou portés disparus. Disparus? Capturés par les engences, vous voulez dire? Ces créatures s'embarrassent de prisonniers à présent? Je ne sais, Majesté. Plusieurs d'entre eux manquent à l'appel. J'ignore s'ils sont morts ou vifs. C'est malheureux. Au moins, l'héroïne de Ferelden a-t-elle survécu, c'est déjà ça. Ne soyez pas stupide. Ferelden a besoin de vous, plus que jamais. La tâche qui vous attend est vaste. Je vous aiderai au mieux. Mais pour l'essentiel, vous serez livré à vous-même. Hey, et moi, je suis quoi? De la fiente de cochard? À l'odeur, c'est assez près de la vérité. Je suis venu me joindre aux gardes des ombres. Et vu comme ça se présente, y a de quoi faire. Elle est où, la coupe géante? Je vais la siffler, votre piquette. Ah, c'est ce que je dis toujours au bougre. Le gros dégueulasse. Par les temps qui courent, inutile de faire la fine bouche. Rejoindre les gardes des ombres, hein? C'est un peu gros, non? Reine Anora, prenez garde, Majesté. Cet homme est un criminel notoire. Est-il? Ah, c'est de moi qu'elle parle. C'est un apostat. Nous allions le livrer au cercle pour que justice soit rendue. C'est ça. Ce que vous savez de la justice tiendrait dans un dé à coudre. Et puis je m'échapperai encore, vous le savez bien. Jamais. Je vous mènerai moi-même à la potence, meurtrier. Meurtrier? Moi? Mais ces Templiers étaient... Oh, et puis à quoi bon? Quoi que je dise, vous refuserez d'écouter. Il n'y a guère plus à en dire, semble-t-il. À moins que... Auriez-vous quoi que ce soit à ajouter, commandeur? Quoi? Jamais? Si, moi je le veux dans mon équipe. Les gardes des ombres peuvent exercer à leur guise le droit de conscription. J'y consens. Si... Si sa majesté estime agir pour le mieux. Ah! Bravo, gamin! Bienvenue à bord! Moi? Un garde des ombres? Ah, c'est... C'est inattendu. Félicitations, Sir Mage. Il me tarde de combattre à vos côtés. Bien. Si la situation est maîtrisée, d'autres devoirs m'appellent. Certes, le domaine est sous contrôle désormais. Nos pertes sont lourdes, mais les engins sont déguerpis et nous comptons les survivants. Oh, pardonnez mes manières. Je suis Varel, et sénéchal de Fort Bastel. Votre intervention fut ô combien opportune, commandeur. Je vous aiderai à régenter les terres d'Amarantine. Vous êtes le commandeur de l'ordre, et donc Yarlès sans titre. Nous avons à parler, commandeur. Maintes questions restent à élucider. Et en premier lieu, la cérémonie de l'union. Vous devez regarnir vos rangs. La sécurité de Ferelden est désormais l'apanage de l'ordre, aussi affaibli soit-il. C'est à vous qu'il incombe d'aplanir les vestiges de l'enclin, avant que la situation ne nous échappe. La tâche est ardue, mais je vous en sais capable. Je m'en remets à vous. Adieu, garde des ombres. Et bonne chance.
Ouais, les cochards. Espèce de lapin cochon, là. Avant toute chose, commandeur garde, une affaire urgente requiert votre attention. À ma connaissance, une seule garde des ombres se réclame aujourd'hui de Ferelden. Il convient d'y remédier. Les autres pourraient vous être d'un grand secours. À votre guise, commandeur. L'heure est venue d'entamer l'union. Je prononcerai les mots des premiers d'entre nous. Hellboy, chut. Unissons-nous, frères et sœurs. Unissons-nous dans les ombres contre lesquelles nous veillons. Unissons-nous pour remplir ensemble notre devoir éternel. À ceux qui vont mourir, je dis ceci. Votre sacrifice ne sera pas oublié. Un jour prochain, nous vous rejoindrons dans la mort. À compter de cet instant, Ogren, vous êtes un garde des ombres. C'est quoi cette babiole? C'est un genre d'allusion à ma taille, c'est ça? C'est la coupe que nous utilisons depuis toujours. Ah ouais, ça. Pas mauvais. Doux créateur. C'est au grain, hein, j'y peux rien. À compter de cet instant, Anders, vous êtes un garde des ombres. Si je comprends bien, il faut qu'on ingurgite du sang d'engeance. C'est exact. Bon, d'accord. Mais si je me réveille d'ici 2 semaines sur un navire en partance pour Rivéine, nu comme un verre et tatoué au front, je saurai à qui le faire payer. Le fameux truc des boobs. Ouais. Il vit, commandeur. Il reviendra à lui en temps voulu. À compter de cet instant, Maïri, vous êtes une garde des ombres. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Oui, bah tu vas mourir, donc... Les opinions, moi. Je regrette, Maïri. Puisse le Créateur veiller sur vous. Pauvre Maïri. Ouvrez les portes! Il faut annoncer l'existence de cet accès au tréfonds, au commandeur garde. Il pourrait s'agir de leur repère. Vous voulez donc que l'ordre court après une rumeur, capitaine? Et même si c'était vrai, si la voix du pèlerin n'est pas dégagée quand votre armée sera rassemblée, elle n'aura que des semelles à manger. Yarevel, Tibère, notre commandeur a eu une longue journée. D'après Tibère, plusieurs marchands ont réussi à échapper aux engeances. Ils peuvent vous offrir leurs articles, contre un prix raisonnable, s'entend. Quant à Fort Bastel, il est à vous. Prenez armes et armure à votre guise. Nous attendons votre signal pour partir. Ah, le chien qui boit depuis 5 minutes. Nous partons, oui ou non? La Tour des Mages m'envoie en guise d'ambassadrice, commandeur. Phil. Outre ma fonction diplomatique, je suis une enchanteresse et une forgerune confirmée. Puis-je vous être utile? Bien sûr. C'est bien ça que j'ai sur moi en fait, hein, parce que... Oui.
contre, ce casque est tellement débile, je vais l'enlever. Merde. Voilà. Oh oui, très bien. Mais attends, parce que... Tout ça, je peux le vendre. Ça, il y a des trucs que je vais vendre parce que je m'en sers jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Et voilà. Non, c'est le chien. D'après Dame Tibère, je peux ouvrir un magasin ici. Le marchand que vous avez sauvé était si content d'en réchapper qu'il m'a achalandé pour pas cher. Bien sûr, vous avez droit à une grosse remise. Que puis-je pour vous, commandeur ? Alors, je te vends ça, 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 ça. Tant pis, hein, je vends tout. Le truc, c'est que ça, je m'en sers jamais. J'en vends la moitié. Ça, je garde. Les potions lyriums et tout ça, je garde aussi. Faut que je fracasse quelque chose ? Y a qu'à demander. Alors, ils ont tous des trucs à me dire. Le traumatisme de l'armure de Mass Effect, ah ouais. Commandeur ? Voici Sir Garevel, nouveau capitaine de la garde. J'ai une nouvelle qui mérite votre attention. Mon prédécesseur, le capitaine Rulens, et l'essentiel de la hiérarchie se trouvaient dans le donjon au moment de l'attaque. On ignore ce qu'ils sont devenus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des engences un peu partout. J'en ai discuté avec le nain Voldric. D'après lui, et je suis d'accord, elles sont sorties du fort lui-même. Les souterrains y sont très profonds. Voldric soupçonne les engences d'avoir trouvé un accès souterrain menant sous le fort. Quasiment aucun, pour tout dire. Et pas le moindre garde des ombres. Mais il reste pas mal de troupes en patrouille entre ici et Amarantine. Tout n'est pas perdu.
Voilà qui est déroutant, commandeur. Cela dit, ce ne sont pas les rumeurs étranges qui manquent dans le coin. On parle d'engeances d'un nouveau genre. Des engeances terrifiantes, issues de l'ombre et des pires cauchemars. Il se prépare des choses terribles. Certainement. Potentiellement urgent. Les Orlésiens, enfin, les gardes des ombres orlésiens, avaient commencé à collecter des informations pendant leur séjour ici. Leur piste la plus sérieuse était une histoire étrange, rapportée par deux chasseurs. Ces chasseurs, Colbert et... enfin, l'autre, quoi... affirmait avoir découvert un passage vers les Tréfonds. Selon eux, ça grouillait d'engeance. Et cela remonte à avant l'apparition de cette vermine dans tout le comté. Les gardes des ombres étaient sur le point d'envoyer quelqu'un retrouver Colbert. Colbert et son ami sont à Amarantine. Sûrement parmi les réfugiés à l'extérieur de la ville. Commandeur ? Commandeur ? Ce n'est pas brillant, noble dame. Toutes les engeances du royaume semblent converger jusqu'ici. Les troupes sont divisées entre la protection de Fort Bastel et d'Amarantine. Nos éclaireurs signalent des rassemblements d'engeances dans tout le comté. Là où nos troupes ne patrouillent c'est pas, bien l'heure de manger. Le danger menace, commandeur. Un grave danger. Mon prêtre, on ignore ce qu'ils sont devenus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des engeances un peu... Commandeur Garde, c'est un plaisir de vous voir. Je suis Dame Tibère, envoyée sur ordre du haut commandeur de Weishaupt. Je suis ici pour faire office d'intendante du comté d'Amarantine. Selon lui, aucun autochtone n'est assez fiable. Plein de ces autochtones est devant vous, Dame Tibère. J'ai toute confiance en Fort Bastel d'un point de vue militaire, mais l'or corrompt les âmes les plus résolues. Pas de Weishaupt même. D'aucun lieu en particulier. Je vais là où l'ordre a besoin de moi. Noble dame, le comté est au bord de la faillite. Le commerce doit reprendre. Les caravanes marchandes sont mises en coupe réglée le long de la voie du pèlerin. C'est la seule route permettant d'approvisionner une armée, de nourrir une ville et de maintenir la civilisation. À Amarantine, il y a un marchand nommé Mervis, dont les caravanes ont été particulièrement touchées. Il sait peut-être où exactement se produisent les attaques d'engeance, ou de quoi que ce soit d'autre. De ce comté, il ne s'en soucie guère. C'est pour les répercussions possibles qu'il s'inquiète. Quand le commandeur garde Dryden a été banni de Ferelden, il y a maintes générations, cela a créé un précédent fâcheux. Vous avez vous-même appris son histoire et celle de son exil au pic du soldat, et ce, au prix de grands risques. Nous voici confrontés à un autre précédent, des gardes des ombres possédant des terres et régnant sur des nobles. Si votre comté prospère, cela constituera un exemple pour d'autres royaumes et démontrera l'importance de l'ordre, enclin ou non. Non, c'est très loin au nord. On dit de la forteresse qu'elle est imprenable. On y voit toujours les perchoirs où couvaient les griffons d'antan. Mais on ne reverra plus ces splendides créatures. Les Féreldiens sont un peuple fier. Fier de vous, tout particulièrement. Si le haut commandeur avait envoyé des troupes étrangères, cela n'aurait fait qu'attiser le mécontentement. Varel a été nommé sénéchal en raison du grand respect qu'il inspire dans le comté. Fort bien, commandeur. Très bien, au travail. Orlaïs a dépêché une dizaine de gardes des ombres. Ils vous attendent à Fort Bastel. Presque tous ont péri au combat. Et Christophe est toujours en mission. Les gardes des ombres orlésiens ont été surpris que les engeances ne retournent pas à l'abysse au terme de l'enclin. Christophe avait pour mission de trouver des indices. Il y a 2 jours, il est parti en toute hâte. Nous soupçonnons qu'il s'est rendu à Amarantine. Les points de chute pour voyageurs n'y sont pas légion. À votre place, je visiterai les tavernes et auberges. Oui, mais pas à moi. Les gardes des ombres ne sont guère bavards. De plus sages que moi s'en sont inquiétés. D'après un garde des ombres, l'énergie de l'archidémon aurait donné un vague but aux engeances. S'ils ont trouvé un autre but... C'est le seul sujet qui mérite qu'on s'y attarde pour l'instant. Autre chose, commandeur ? À votre guise, madame.
En général, le sénéchal veille à la bonne marche quotidienne du fort. Et si un problème important survient, je vous alerterai. Nous l'appelons Bastel, le veilleur en ancien langage. Ce bastion existe depuis une éternité. Selon la légende, les barbares à la Marie auraient érigé un fort ici même, pour mettre un terme aux incursions Tevintid depuis les basses terres de la mer d'écume. Ce château fut bâti sur une montagne d'ossements, dit-on. Beaucoup ont péri ici même. Bon. Donc. Ultime légionnaire. On est bon. Allez, on va récupérer d'autres quêtes. Hein, parce que voilà. Alors, Ogren et Anders. Oui. Par la sainte culotte d'Andraste. Par la sainte culotte d'Andraste. Alors. Ça alors, le commandeur garde. Bref, il y a quelque temps, un voleur s'est fait prendre à Fort Bastel. Il a fallu 4 gardes des ombres pour le capturer. Il a poché l'œil de l'un d'eux. En plaisantant à demi, ils ont dit qu'il ferait une bonne recrue. Il est au donjon, noble dame. J'ai aussi quelques lettres, arrivées juste avant vous. Un instant, je vous prie. Alors, une fille en rançon. Mon nom est Sir Edgar Bensley, fidèle vassal. Hélène, ma fille unique héritière, a été ravie par les villes mécréantes de Mosley le Serpent. Mon fief est humble, mes sources modestes, et ces coquins ont demandé 30 souverains que je ne puis réunir à temps. Je vous implore de bien vouloir intercéder en mon nom. La rançon doit être livrée à la chanterie abandonnée près de la crique oubliée. Putain. Avancez-moi cette rançon, et pour ma foi en Andraste, je jure de vous rembourser. Mes prières vous accompagnent, ma douce fille et vous. Appel lointain. Depuis la mort de mon mari, je suis seule à veiller sur ma famille et nos gens, mais la menace des engeances se fait plus pressante que jamais. Un Templier nous aide à l'occasion, mais sa bonne volonté n'est pas sans limite. Si vous venez en aide à ma famille, je ne manquerai pas d'en faire part au seigneur Edelbreck. Je crains que le temps nous fasse défaut. Donc ça, c'est un des trucs qu'il vaut mieux faire dès que possible. Alors, qui... Ensuite. Bande de petits coquillons. Et là, on va rencontrer le fils du Jarl Haut. Nathaniel.
Nathaniel ? C'est le donjon ? Oui, donc c'est le donjon. Commandeur, c'est un honneur. Ça fait 3 nuits qu'on garde ce client au chaud. De braves types meurent pendant qu'on le bichonne en cellule. Il refuse de le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a vu rôder de nuit autour du domaine. C'est pas un voleur ordinaire. Il a fallu 4 gardes des ombres pour le maîtriser. Soyez sur vos gardes. Une chose est sûre, c'est pas un petit malfrat. À votre guise, commandeur. Je vais informer le sénéchal de votre venue. Il voudra savoir ce que vous déciderez pour cet individu. N'est-ce pas là l'héroïne de Ferelden, fléau de l'enclin et de tous les scélérats? Je vous imaginais culminer à 3 bons mètres, avec des éclairs fulgurants sortant de vos yeux. J'imaginais que l'assassin de mon père serait quelqu'un de plus impressionnant. Je suis Nathaniel Howe. Ma famille possédait ces terres jusqu'à votre soudaine irruption. Vous souvenez-vous seulement de mon père? Mon père a servi le héros de la Dane et combattu les Orlésiens. Et pourtant, notre famille a tout perdu. Oui, bah c'était un crevard, ton père, alors... Je suis venu ici. Je comptais essayer de vous tuer, de vous tendre un piège. Une limite de 3 mètres. Mais alors j'ai compris que je venais surtout revendiquer certains biens familiaux. C'est tout ce qu'il me reste. Si j'étais informé de ces projets, la réponse est non. J'étais en mission dans les marches libres. Vous êtes une légende, je le sais. Vous avez livré une guerre et l'avez gagnée. Au vainqueur, les fruits de la victoire, n'est-ce pas? Mais quoi qu'ait fait mon père, rien ne justifie que ma famille en soit à jamais fustigée. Les Howe sont traités comme des parias. Tout cela grâce à vous. Et à présent, c'est vous qui déciderez de mon sort. Quelle ironie. L'engeance est une menace. S'il n'y avait pas eu l'enclin, peut-être mon père n'aurait-il pas agi comme il l'a fait. Oui, alors il a agi comme ça bien avant qu'il y ait une menace, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, mes terres sont devenues les vôtres. À vous et aux gardes des ombres. Vous avez raison. Je vais de suite me mettre au service de la reine Anora. Nul doute qu'elle appréciera la présence d'un Howe à ses côtés. Si vous me laissez partir, je l'ignore, à vrai dire. Je ne suis de retour en Ferelden que depuis 1 mois. Si vous me laissez partir, je reviendrai certainement. Et la prochaine fois, peut-être aurai-je raison de vous. Je pourrais mentir, si vous préférez. Je ne suis pas sans talent. J'ai employé mon temps à autre chose qu'à bagnauder et à m'enivrer. Chasse, reconnaissance, poison. Pourquoi donc? En quoi cela vous intéresse-t-il? Déjà? Parfait. Je vous ai amené le sénéchal, commandeur. Vous avez parlé à notre invité, je vois. Quel personnage, n'est-ce pas? Avez-vous pris une décision le concernant? Le voir sortir du bois ne m'étonne guère. Les Hauts sont des ennemis implacables, commandeur. Vous, quoi? Excusez-moi, commandeur. Le droit de conscription? Pour le prisonnier? Non, il n'en est pas question. Qu'on me pende. Les petits soucis de dialogue. Difficile à dire. Et vous, vous avez envie d'avoir un garde des ombres qui souhaite votre mort? Vous voulez vraiment d'un Howe comme garde des ombres? Quelle femme étrange vous faites. J'ai du mal à savoir s'il s'agit d'un vote de confiance ou d'un châtiment. C'est une... décision intéressante, commandeur. Suivez-moi, Acer. Nous verrons bien si vous survivez à l'Union. Oui, c'est le jeu. Mais je pense que je vais le quitter et puis le relancer si jamais ça continue.
À compter de cet instant, Nathaniel O, vous êtes un garde des ombres. Le moment de vérité. Ce haut est plus coriace que prévu. Pour le meilleur ou le pire, il vivra.